le Seigneur pour cette grâce. Vous savez que généralement, on peut vous parler de quelqu'un, mais il est toujours intéressant et plus raisonnable de l'écouter pour avoir, pas peut-être un jugement, comme on dit, humain, mais un jugement assez pertinent de la part du Seigneur. Comprendre que vous avez des vases remplis, voilà, autour de vous, mais qui sont peut-être très mal exploités. J'ai été très touché, très bien orienté par le Saint-Esprit au travers d'un homme, au travers d'un instrument. Et je dis chapeau déjà au premier jour et à l'organisation, pour ne pas dire à la conférence. Le message a été très pointu. D'ailleurs, c'est le message qu'il nous faut aujourd'hui pour les serviteurs de Dieu, pour les jeunes serviteurs et même les anciens. Parce que je suis venu, on a parlé de fusion, on vous parle de fusion, mais il était en train d'insister sur la meilleure des fusions. Parce que depuis un certain temps, on parle des connexions. Toutes les connexions ne sont pas connectables, parce qu'il y a des connexions d'épanouissement, mais également des connexions de perdition. Je crois que l'auteur a été, je voulais dire, l'orateur, sinon la conférence a été très claire pour... par la conduite du Saint-Esprit, à nous faire comprendre que déjà seul on ne peut pas, mais ce qui est également très boostant en nous faisant comprendre que les fusions, ce n'est pas nous qui les choisissons, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et ce que vous pouvez qualifier d'impur peut-être pour le Seigneur, la meilleure fusion pour votre épanouissement et encore pour votre réalisation et le succès dans votre ministère. Pas seulement ceux qui sont à Pointe-Noire, mais même dans les environs. Je pourrais même également dire pour ceux qui sont à Brazzaville, à Dolizinkaï. Et si vous avez l'occasion, les moyens pour vous y rendre, venez. Parce que c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'inspiré. Je crois que ça vient de l'Éternel. Il y a des occasions qu'il ne faut pas laisser passer. Et c'est une occasion qui est céleste pour que chacun de nous puisse s'en saisir et aller de l'avant par rapport à la vision. Mais j'appelle tout le monde, ceux qui n'ont pas été au premier jour, venez au second jour parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'être libérées et qui vous feront également du bien. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous. Merci.